Gaston Chessac, né le 13 août 1910 à Vallon, de parents corréziens. Sa santé se révèle fragile. Souvent malade, il développe peu à peu un style de vie frileux et ascétique. On observe d'ailleurs que les personnages de ce tableau, et même de ses auteurs, ont un corps fréquemment atrophié et que leur visage exprime parfois un sentiment de souffrance. À l'âge de 13 ans, Chessac quitte l'école. Il touche à divers métiers sans se décider à en embrasser aucun en particulier. En 1934, il s'installe chez son frère à Paris. Dans le même immeuble habite le peintre abstrait Otto Freundlich. Ce dernier et sa femme, qui est aussi peintre, encouragent Chessac à dessiner. Les premiers résultats de cette activité leur paraissent pleins d'avenir. « Un maître nous est né », aurait alors dit Freundlich. À l'automne 1937, Chessac tombe gravement malade. Une tuberculose étant diagnostiquée, il est envoyé à un sanatorium. Le traitement ne l'empêche pas de continuer de peindre. En décembre 1938, a lieu sa première exposition personnelle à Paris. Albert Gleizes et Robert Delaunay s'intéressent vivement aux travaux qu'il y présente. En 1942, à l'invitation de Gleizes, il part pour peindre dans son atelier, grâce auquel il fait la connaissance d'André Lhote. Il se marie à la fin de l'année et en 1943 présente sa deuxième exposition à Paris à la Maison des Intellectuels. Raymond Queneau, amené par Jean Kosnick-Loss, veuve de Freundlich, la voit et l'apprécie. La même exposition est signalée avec enthousiasme à Jean Paulhan. En juin 1945, commence une correspondance avec Paulhan qui séduit Jean Dubuffet. Ce dernier lui écrit alors à son tour et se porte acquéreur de certaines de ses œuvres. En 1947, nouvelle exposition personnelle à Paris, à la Galerie Arc-en-Ciel. La préface est signée Dubuffet, où cette dernière compare l'art de Chessac à celui des Bédouins, qui dans le Sahara jouent de la flûte en se moquant de la civilisation. En 1948, le couple s'installe à Saint-Florent-de-Loire pour 13 ans. Année difficile pour le peintre, qui dans les années 1956-1958 ne peint presque pas. Cette solitude est pourtant rompue de loin en loin. D'Anatole Jakovsky et de Dubuffet, qui invitent le peintre à participer à l'exposition d'art brut de la galerie René Drouin, et visite du photographe Gilles Herman, qui, enthousiasmé, revient en compagnie du poète surréaliste Benjamin Perret. En 1956, Chessac effectue un bref séjour dans la maison de Dubuffet à Vence. Après cette date, le rapport vont ainsi se passant. Ce n'est qu'en 1961, avec l'installation du couple à Vix, que Chessac commence à sortir de son isolement. Cette même année, il reçoit la visite d'Iris Claire, qui lui organise une exposition personnelle dans sa galerie, celle-là même d'Yves Klein et de nouveaux réalistes. En 1962, sort le livre de Gilles Herman, Les Inspirés et leur demeure, dans lequel Chessac se trouve en compagnie d'autres autodidactes. Il occupe toutefois une place prépondérante dans le livre, grâce aux textes d'André Breton et de Benjamin Perret. Dans les mois qui suivent, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis s'intéressent soudain à lui. Mais hélas, il est trop tard. Miné par l'anxiété, les difficultés matérielles, les ennuis de santé, Chessac meurt le 7 novembre 1964. Chessac, inventeur du rustique moderne où Picasso a un sabot, peignait sur des bassines, des bidons cabossés, des troncs d'arbres, des éplochures de courges. Sa création entière est basée sur l'expérimentation. Toutes les techniques dialogue, de l'encre de Chine à l'huile, en passant par les collages et la peinture, sont des objets de récupération. Longtemps, il passa pour un artiste naïf et primitif, poussé vers la récupération des matériaux ordinaires par une extrême pauvreté. Jean Dubuffet fut à l'origine de cette méprise en intégrant les œuvres de Chessac aux collections d'art brut parmi celles des fous et des marginaux. On lui préfère aujourd'hui le mot d'autodidacte. Il développe une théorie artistique originale fondée sur sa passion pour le dessin d'enfants et l'art préhistorique. Chessac trouve rapidement son style, un dessin naïf mais très élaboré, cerné d'un trait d'encre noire, représentant le plus souvent un portrait, parfois un paysage, plus rarement un bouquet de fleurs, au centre d'un assemblage de formes colorées, autant de vives posées en
les autres peintres et celle des écoles d'art. L'œuvre de Gaston Chessac est l'une des plus abondantes et singulières de la seconde moitié du XXe siècle. Figure inclassable, autodidacte, affranchi des conventions traditionnelles, l'artiste s'initie à toutes les expressions artistiques. Dessinateur, peintre, écrivain et poète, Gaston Chessac est un transformateur qui ne cesse de réinventer les mots, de créer des formes et de détourner des matériaux du quotidien. Pour expliquer sa difficulté à vivre comme la plupart des gens, Gaston Chessac disait « Je suis capable de faire des choses que tout le monde ne peut faire. Par conséquent, il m'est difficile de faire ce que tout le monde peut faire. »